4 septembre, nous commençons ce cheminement important, Évangile et développement, donnez-leur vous-même à manger. Agissons parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Alléluia. Tu peux chanter, tu peux prier avec nous. Présent parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le terme du mois de septembre est un thème particulier, Évangile et développement. Il y a des personnes qui disent l'Évangile, et il y a des personnes qui disent développement. Nous allons montrer la mission de Jésus. Jésus est venu sauver l'homme, il est venu sauver tout homme et tout l'homme, c'est-à-dire dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Jésus n'a jamais négligé la vie humaine, la vie terrestre. Et la preuve, c'est que Dieu est descendu en travers Jésus-Christ pour nous apprendre à vivre, pour nous apprendre à obéir. Donc la vie humaine est importante. La particularité de la théologie chrétienne, c'est qu'elle ne supprime pas le corps. Elle ne minimise pas la vie humaine, mais elle fait une projection de cette vie humaine vers quelque chose de plus grand, une vie plus grande, une vie d'épanouissement qui commence, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, qui commence sur la terre, et c'est le déjà et le pas encore, et mais qui a son aboutissement ou son achèvement, ou dans sa plénitude, je le dirais, dans son plein accomplissement dans le sein de Dieu. Alléluia. Jésus, il a vécu dans notre monde pendant plus de 33 ans. Et pendant 30 ans, Jésus, c'est ce qu'on appelle la vie cachée du Christ, et 3 années de ministère. Mais dans ces 3 années de ministère, on a vu Jésus s'occuper de l'homme. Je dis souvent, ceux qui n'aiment pas les miracles, il ne faut jamais lire l'Évangile. Et ceux qui veulent une autre façon de voir, un autre rapport entre Dieu et les hommes, il ne faut pas lire l'Évangile. Parce que l'Évangile nous montre l'abaissement du Christ, la kénose, Dieu qui s'abaisse et qui devient homme. C'est déjà un abaissement. Imagine-toi, tu te mets au même niveau que ta créature, ou si tu veux que ta création, l'artisan ou le potier, prenons l'exemple du potier. Le potier qui fabrique des vases, qui construit des vases, se met au même niveau que les vases. C'est exactement ce que Dieu a fait. Pour dire simplement, parce qu'au commencement, le diable a dit aux hommes que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui et que vous ayez la plénitude de la connaissance. Alors Dieu, pour manifester son amour et pour dire en même temps que le diable se trompe et que c'est un menteur, Dieu est devenu homme. Il n'y a pas de complexe à être un homme. Il y a des gens qui veulent des anges. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que le psaume 8 nous montre que nous sommes supérieurs aux anges. Alléluia. Et que nous allons même, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit que ne savez-vous pas que vous allez juger même les anges? Bien sûr, les anges déchus. Et tu pourras dire à cet esprit qui t'a fatigué, si c'est la colère, démon de colère, toi passe ici. Tu as le pouvoir par Jésus-Christ de le faire. Donc la vie humaine est importante. Et c'est vrai que Dieu dit aux hommes de chercher d'abord le ciel. Mais il ajoute que le reste vous sera donné en surabondance. Et j'aime bien ce passage de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, comment vous revêtir. Ce sont les païens qui sont en quête de ces choses. Alors, hop, toutes sortes de commentaires à dire, Dieu s'en fout, hein, pour prendre un thème terre à terre. Dieu s'en fout, il s'en moque de tout ce que tu peux vivre sur la terre. Hein. Dieu, il t'attend au ciel, ce n'est pas vrai. Il commence avec toi sur la terre. Et ton bonheur, ce n'est pas le ciel est déjà sur la terre. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, c'est ce que Jésus a dit. Ce royaume se révèle dans toute sa plénitude et progressivement dans ta relation avec Dieu. Au fur et à mesure que tu grandis en Dieu,
le royaume, il y a un dévoilement total de ce royaume. Mais le dévoilement du royaume a commencé. Vous savez que quand Jésus était sur la croix, le voile s'est déchiré, c'est-à-dire nous avons désormais accès à la plénitude de la connaissance. Nous avons accès, nous pouvons franchir, comme le dit l'auteur aux Hébreux, et que nous avons franchi, nous entrons dans un sanctuaire plus grand, et que nous entrons dans un temple plus grand. Et Jésus a dévoilé, maintenant nous avons la révélation, nous savons, nous avons le plan de Dieu, même si ce n'est pas encore total, puisque nous sommes encore des êtres fragiles, mais bénis par Dieu, alléluia. Nous avons la révélation, et il est venu nous révéler les voies du salut. Le mot salut, qui en grec veut dire le mot sozo, ce qui traduit salut, n'est pas simplement le salut de l'âme de l'homme, mais c'est une erreur. C'est tout homme, tout en l'homme, alléluia. Jésus vient apporter la paix à ton âme, la paix à ton corps, et il vient émanciper ton esprit. La Bible dit que dans Romains 8, 16, que l'esprit en personne se joint à notre esprit. Se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Enfants, nous le sommes, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. C'est intéressant. Alors, dans ce cheminement de ce mois de septembre, nous allons voir. Les deux parties exagèrent. D'autres vont vous dire, mais pourquoi chercher les biens de ce monde? Pourquoi? C'est une exagération. D'autres vont vous dire, mais non, mais les biens, Dieu, c'est la bénédiction. C'est une exagération. Et je rends grâce à Dieu pour ces émissions parce que j'essaie de réconcilier ces positions. Et parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont dans les sectes ésotériques où l'argent n'est pas le fruit interdit. Et parce que si vous dites aux gens, ne n'est pas de riche. Et parfois les riches peuvent être même complexés vis-à-vis de certaines prédications. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit que ton cœur ne s'attache pas au bien de ce monde. Alors, Jésus dit, mais pourquoi vous inquiétez de ces choses? Ce sont les païens qui sont en quête. Il dit bien en quête. En quête veut dire en recherche continuelle de ces choses. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. J'aime beaucoup ce verset. Vous avez besoin, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Qu'est-ce que le royaume? C'est le règne de Dieu qui descend dans ton cœur. Laisse Dieu descendre dans ton cœur. Laisse Dieu... Vous savez, Dieu ne vient pas comme un dictateur. Il ne vient pas t'imposer des choses. Mais tu dois accepter d'une manière amoureuse la main tendue de Dieu. Alléluia. L'homme a péché et Dieu est venu tendre sa main à l'homme. Mais ceux qui saisissent, la Bible dit, le jugement c'est quoi? C'est que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes n'ont pas accueilli la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Voilà le jugement. Donc finalement, c'est l'homme lui-même qui se retrait, je le dis, qui quitte l'amour, qui quitte la grâce. C'est l'homme qui sort de cette grâce, de cette lumière pour entrer dans les ténèbres. Alors Dieu veut nous sauver. Il veut que tout homme soit totalement sauvé. Et sauvé, je dis, le mot sauvé, c'est guérir, libérer, bien-être, etc. C'est un ensemble. La vie que Jésus est venu nous donner, ce n'est pas nous dire, écoute, si tu souffres sur la terre, c'est bien. Oh là là, quels sont ces commentaires de béatitude? Les béatitudes manifestent deux temps. Le temps présent et le temps à venir. Le déjà et le pas encore. Les béatitudes ne sont pas là pour dire, heureux ceux qui ont faim, un jour ils seront rassasiés. Mais les béatitudes sont dire, c'est maintenant qu'ils seront rassasiés. Heureux ceux qui cherchent la justice, ils sont devenus enfants de Dieu parce que maintenant le règne est total sur la terre. Donc Jésus de Nazareth qui vient vers nous, il vient nous apporter le bonheur. Alléluia. Alors je vais vous lire ce passage très simple de Luc à partir du chapitre 9 verset 12. Le jour commença à baisser. S'approchant les douze, lui dirent, renvoie la foule afin qu'il aille dans les villages et fermes d'alentour pour y trouver logis et provisions, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais il leur dit,
donne-leur vous-même à manger. » Et dirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Vous voyez ce que le disciple dit à Jésus? Pour tout ce monde. Ça veut dire même là encore, on n'a pas l'argent pour eux tous. Et quand vous voyez aujourd'hui la vie chrétienne, et je bénis toutes les personnes qui ont compris cet évangile, et c'est ce que le pape dit. Le pape dit d'abord aux chrétiens, et ce n'est pas le fait de prendre simplement, de les soigner, de soigner les pauvres, et de s'occuper comme on le fait, de donner à chaque carême quelque chose, un morceau de pain, du savon, etc., aux personnes nécessiteuses. Mais le pape demande de les aimer d'abord. Parce que si tu aides une personne sans aimer la personne, c'est vrai que tu fais œuvre, on va dire, de charité. Mais toutes ces ONG de charité qui demandent des caméras d'être filmées, bon, on se pose la question. Jésus a dit que ton bras gauche ignore ce que donne ton bras droit. Voilà. Parce qu'on commence, ce dont le pauvre a besoin aujourd'hui, c'est de mon amour. Et je parle souvent, je dis, chaque chrétien doit avoir un Naboth. Dans la Bible, dans le livre de Roi, Naboth, c'est celui qui est malheureux, le pauvre, et qui avait un champ. Et le roi Acab et sa femme, Jézabel, surtout elle a fait tuer Naboth pour prendre ce champ. Voilà. Et donc, Naboth, c'est celui qui n'a que Dieu, qui n'a rien, qui n'a pas grand-chose. Chacun doit avoir un Naboth. Chacun doit s'occuper et ne te dis jamais, mais est-ce que j'ai assez? La foi chrétienne ne te dit pas que tu as assez. La Bible dit que si tu es fidèle dans les toutes petites choses, Dieu va te confier les grandes choses. Et on voit le monde. Moi, je vois des gens qui prient et qui prient. Comme le dit l'apôtre Jacques, il dit, montre-moi ta foi sans œuvre et moi, je te montrerai mes œuvres, les œuvres par ma foi. C'est pas normal. On ne peut pas être chrétien et ne pas avoir le regard de Dieu. Or, le regard de Dieu se pose sur ceux qui sont malheureux. Alors, nous allons découvrir au cours de ce cheminement que Dieu a une suite dans les idées quand Jésus vient sauver l'humanité. Il commence, vous savez, il a fait ce qu'on peut appeler les choses banales. Premier miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, à Cana. Et Jésus change, transforme l'eau en vin, extraordinaire. Oui, c'est sa grâce, la puissance de Dieu, c'est ça, prendre ce qui n'est rien, te prendre, toi mon frère, toi qui m'écoutes, toi ma sœur, et fais de toi un pilier, une colonne de l'évangélisation. Donc Dieu se sert de ce qui est faible, Dieu se sert de ce qui n'est rien dans ce monde pour confondre les sages, c'est-à-dire que ceux qui croient qu'ils ont la connaissance. Donc, on ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas les yeux de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas le cœur de Dieu. Moi, je suis dans un pays africain qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous avons commencé l'évangélisation un peu partout, dans les villages, dans les villes, etc. Nous avons chassé les démons au nom de Jésus-Christ, comme un peu les disciples qui sont allés vers Jésus dans Luc au chapitre 10, qui dit, Seigneur, nous avons chassé les démons, etc. Jésus dit, cependant, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est très important. Et nous avons chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Jésus a opéré des miracles et il continue à opérer des miracles. Mais arrivé un moment, un jour, après une évangélisation, bien sûr, on a pris le repas avec les villageois, etc. Et on a pris notre car, et je voyais des gens marcher. Or, la zone où on était une zone très éloignée. C'est-à-dire, l'avant-dernier village, avant de trouver ce village, était au moins à 15 km. Donc, ces personnes marchaient, et je le dirais, sous la chaleur, je le dirais, et la poussière. Et d'autres transportaient leurs malades dans les brouettes. J'ai dit, mais Seigneur, nous avons prié, nous avons prêché, nous avons vu ta gloire, mais Seigneur, rien de ces personnes. Alors Dieu m'a interpellé.
Et là, aujourd'hui, la communauté en dans son trentenaire, mais c'était et quand on n'avait que 17 ans d'existence. Alors Dieu m'a parlé de l'évangile et du développement. L'évangile apporte le développement là où l'évangile est prêché dans l'onction du Saint-Esprit. Et quand je suis allé en 95 à San Giovanni Rotondo, en Italie, chez Padre Pio, j'ai été émerveillé d'abord quand j'ai vu les hôtels. Et à l'entrée de chaque hôtel ou à l'intérieur dans le hall, il y a les images ou les photos de Padre Pio. Et chaque hôtel avait une chapelle. Je dis gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Et quand on est allé visiter cette œuvre que Padre Pio a réalisée, cet hôpital impressionnant. Et déjà, je dis voici un mystique, mais qui pense à l'homme. Le mystique, ce n'est pas celui qui pense qu'à Dieu. Qui pense qu'à Dieu, qui est là. Dieu. Et Jean dira que celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère, qui vit auprès de lui, est un menteur. Parce que quand tu aimes Dieu, laisse-moi te dire, Dieu te donne son fardeau. Hein? Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai le repos. Mais il dit, venez à moi, je vous donnerai mon joug est léger, mon fardeau est léger. Voilà. Et donc, il dit, venez à mon école. Si vraiment tu as Jésus de Nazareth, c'est que tu as l'école de Dieu. Souvent, on pense à soi. Oui, mais laisse-moi te dire qu'il y a plus malheureux que toi. Et c'est quand tu commences à aller vers les autres que tu te rends compte de tout ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Parce que tu verras que Dieu t'a donné les choses. Mais tout ce que Dieu te donne, c'est pour partager avec les autres. C'est intéressant et c'est glorieux. Alléluia. Donc, l'évangile apporte à l'homme un bien-être spirituel et un bien-être économique et un bien-être soulevé. Social, dans tout son sens. Et l'apôtre Jean dit que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère le tel de ton âme. Oh, moi qui te parle, je n'ai aucun compte en banque, mais je ne suis pas malheureux. C'est mon appel, c'est pas ton appel, il ne faut pas faire comme moi. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un pour moi-même, ce n'est pas possible. Alors, quand je te parle en tant que témoin de Jésus, témoin du royaume de Dieu. J'ai donné toute ma vie, toute mon existence à Christ. Mais j'ai dit aux hommes que Dieu ne nous appelle pas à être malheureux, à être misérables. Vous savez, un grand saint dit que la misère froisse cette image de Dieu en nous. Et c'est pourquoi toi et moi, nous devons faire tout notre possible pour qu'aucun être humain ne soit malheureux sur la terre, surtout pas à cause des biens matériels, franchement dit. Et la doctrine sociale de l'Église dit que les biens matériels appartiennent à toute l'humanité. Mais c'est parce que nous ne partageons pas. C'est parce que nous n'acceptons pas Lazare le pauvre. Et cette doctrine sociale, je paraphrase, dit « C'est le pauvre que tu as aidé sur la terre. Écoute-moi bien, mon frère. » qui va t'ouvrir les portes du royaume. Extraordinaire. Toi, tu l'as oublié, surtout que ta main gauche a ignoré ce qu'a donné ta main droite, mais et alors que ta situation peut être une situation difficile. Mais la charité, la Bible dit, la charité efface une multitude de péchés. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, là, ça efface une multitude de péchés. Et plus tu aimes, plus tu es charitable, laisse-moi te dire que Dieu se souviendra de toi. Oh, bien sûr, vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je veux aider Dieu, je veux construire une église, je veux donner ma dîme, je veux donner ma dîme aux hommes de Dieu, je veux continuer, je ne vous empêche pas, ou bien voilà, je fais une grosse offrande. Un jour, quelqu'un m'a invité chez lui et je suis allé. Mais avant d'entrer sur cette personne qui avait une maison extraordinaire, mais j'ai vu des baraques. J'ai vu des baraques de souffrance, c'est-à-dire des taudis, si vous voulez. Et la personne m'accueille bien dans un salon climatisé, vrai. Et puis la personne dit, Dieu est entré chez moi. Quand la personne a dit ça, j'ai dit non.
J'ai vu Dieu avant d'entrer chez toi. J'ai vu le pauvre avant d'entrer chez toi. C'est tellement facile d'accueillir les hommes de Dieu. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Et quand nous prenons ce qu'on appelle les tests eschatologiques de Matthieu, Jésus dit que j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as habillé. Vous savez, il ne dit même pas que tu as prié pour moi. Il dit, j'étais même en prison. Celui qui est en prison, il n'a pas dit injustement. C'est-à-dire, c'est celui qui représente un danger pour la société, donc il faut éduquer. Mais Jésus se retrouve dans cet homme malheureux qui est en prison. Il dit, tu ne m'as pas rendu visite. Ou tu m'as rendu visite. Vous comprenez? Et nous serons jugés sur l'amour. Et Jésus pouvait dire autre chose. Tu n'as pas assez prié. Hein? Tu n'as pas donné ta dîme, tu n'as pas donné telle chose, tu n'as pas donné les offrandes. Mais il dit, tu n'as pas fait telle chose, ou tu as fait telle chose. Qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs. Qu'on ne vous trompe pas. Et Jésus se reconnaît dans celui qui est malheureux, pauvre. C'est vrai, moi je suis son serviteur. Il dit, vous habiterez en nous et nous en vous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il vit en moi, le serviteur de Dieu, il vit en moi. Mais il vit aussi dans le malheureux. Il vit dans il est dans ton ennemi, celui que tu veux abattre. Puisque quand Jésus dit, j'étais en prison, il veut dire que je ne suis pas une personne de bonne moralité. Mais il dit, donc, j'étais en prison. Alors ils vont dire, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Quand est-ce qu'on t'a vu être prisonnier, et puis on est venu t'aider ou on n'est pas venu t'aider? Parce que toi, Jésus, tu es trop saint pour être prisonnier. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, tu es le grand, le fils de Dieu. Tu ne peux pas être en prison. Tu es juste. Oui, Jésus se reconnaît dans toute l'humanité, toute la pauvreté humaine. Jésus est là. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, pour les saints. Je suis venu pour les pécheurs et les malades. Le mot malade veut dire toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes malheureuses, toutes les personnes qu'on rejette parce qu'on dit que ces personnes sont maudites. Il est venu pour eux. Et Saint François, notre Père, a fait une expérience assez extraordinaire. Il priait, il voulait vraiment grandir en Dieu. Il priait même pour les pauvres comme aujourd'hui. Moi, j'ai dit à l'église, c'est bon, arrêtons de prier pour les pauvres, agissons pour les pauvres, agissons pour les pauvres, agissons en faveur des pauvres. Et c'est très important, vous savez ces prières-là, Seigneur, nous te confions nos frères les pauvres, mais qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, donne-leur vous-même à manger. Vous savez, il y a des prières aussi, on dit, pour prendre le repas, bénis ce repas Seigneur, bénis les mains qui l'ont préparé, et donne-en à ceux qui n'ont pas. Écoutez, moi je trouve que c'est une prière païenne. Mais tu es libre de continuer. Hein? Aide-nous à donner à ceux qui n'ont pas. Ah oui, là, c'est chrétien. C'est chrétien. Vous voyez donc la religiosité ou la dimension religieuse, parce que moi, je fais la différence entre l'évangile, l'église et la religion. La religion, ce sont les pratiques. L'évangile, c'est la vie, c'est Christ qui se donne. L'église, alléluia, c'est le corps de Jésus. C'est une communauté extraordinaire. Une communauté universelle. C'est-à-dire que, comme le dit le pape François, il ne s'agit pas de rester devant l'église et d'ouvrir la porte pour dire « entrez ». Et en regardant les gens, ceux qui sont bien habillés, ceux qui sont bien, ceux qui sont sains, « entrez » et les autres à côté. Non, il dit d'aller dans les périphériques. Là où on trouvera des ivrognes, des prostituées. Jésus dit, c'est ceux-là qui vont vous dépasser dans le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire, l'église, ce n'est pas simplement la maison des baptisés, c'est la maison de toute l'humanité. Tous ceux qui sont en recherche d'un secours doivent courir. Alors toi qui es là, qui m'écoutes, si tu as recherché quelque chose, que peu importe si tu es chrétien ou pas, ce n'est pas ça qui est le plus important, cours vers la maison de Dieu. La maison de Dieu, alléluia.
vient vers cette maison et c'est là où Jésus se manifeste, où il veut te toucher, il veut te purifier, pas parce qu'il te hait, mais parce qu'il t'aime. Alléluia. Moi, ce qui m'a converti, ce n'est pas les grosses prédications, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Quand j'ai vu son amour, quand j'ai vu sa grâce qui se manifeste dans un être aussi fragile, je lui ai dit toute ma vie, je me donne à toi, alléluia, pour toute ma vie. Donc, Jésus de Nazareth est venu, le salut qu'il apporte, qu'il est venu apporter. Vous savez, les gens parlent d'un salut tellement mystique que finalement, les sept ésotériques prennent tout le monde. Parce que l'homme sur la terre a besoin d'un logis. L'homme sur la terre a besoin de manger. Et la Bible dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Ce que Jésus dit, il dit pour avoir toutes ces choses au centuple. Alors, cherche le royaume de Dieu. Cherche l'auteur de tout le bonheur, l'auteur de tous ses biens. L'auteur de biens, c'est Dieu. Alors, il te dit, cherche le royaume et sa justice. Cherche le royaume et sa vie. La justice de Dieu, c'est sa miséricorde. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Il montre que la condamnation, c'est que l'homme n'a pas accepté lui-même la lumière. Alors, au cours de ce temps, nous allons apprendre, là c'est une introduction, nous allons apprendre à connaître Dieu et à ne plus vivre comme on le vit. Je vois des chrétiens tout malheureux avec des gens. Si je suis pauvre, si la terre, ce n'est rien. C'est à cause de toi que les gens ne vont plus à l'église. Parce que quand ils te regardent, c'est vrai, ils disent, Dieu aussi est méchant. Hein? Ah! Cette femme ou cette fille-là, ou ce jeune homme, il prie et puis il chante. Si je suis pauvre, si la terre, ce n'est rien. Ce n'est rien. Écoute-moi bien, c'est quelque chose parce que Dieu s'occupera de toi. Dans ta mère, saisis sa mère, parce que sa mère reste tendue et tu ne saisis pas et tu continues à dire, Dieu veut que tu manges bien. Écoute-moi bien. Dieu veut que tu te soignes normalement. Dieu veut. La seule chose qu'il ne faut pas, il ne faut pas envier quelqu'un. Il ne faut pas envier quelqu'un. Vous n'avez pas le même parcours. Tu prends quelque chose, si tu veux, tu viens, tu peux nous dire ton projet. Ceux qui peuvent t'aider vont t'aider. Parce que je dis aux chrétiens, c'est vous priez sur les projets. Bon, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Priez. Bon, c'est vrai, moi je le fais aussi. Mais aidons la personne à commencer quelque chose. Et comme cette jeune fille dans un quartier d'Abidjan qu'on appelle Adjamé, je lui ai donné 5000 francs. En fait, je ne vous dis pas de me pousser pour me demander 5000 francs. Parce que vous les chrétiens, j'apprends à vous connaître aussi, hein. Non, j'avais 5000 francs sur moi ce jour-là et je lui ai donné. Je lui ai dit, tu vas au marché, tu achètes des arachides et tu vas les griller et c'est tout. Elle a fait ça aujourd'hui, elle s'en sort. Tu dois pouvoir faire quelque chose parce que si tu fais quelque chose, tu vas aider les autres aussi à faire quelque chose. C'est ça le développement. Moi, quand je parle de développement, ce n'est pas simplement une action sociale. L'action, le développement que j'appelle le développement intégral que l'Église, moi, c'est le développement qui épanouit l'homme, c'est-à-dire le développement intégral de l'homme. Et dans ce développement intégral, il y a le côté spirituel, le côté social, moral, etc. Et donc, le développement, c'est pas le social. Le social tel qu'on comprend aujourd'hui dans le langage des politiciens, dans le langage même parfois des religieux, de certains religieux, c'est voilà, il y a quelqu'un qui est là, et tous les jours, je viens, je lui donne à manger, il revient, je lui donne à manger. Ça, c'est une prise en charge. Tu lui donnes à manger, comme le dit le chinois, mais il faut l'apprendre à pêcher si tu lui donnes le poisson. Ça, le développement. Et le système que nous essayons de faire, et là, je le dis comme ça par témoignage, dans certains quartiers tels que la commune d'Abobogar, nous allons voir le curé, et qui nous montre des personnes, même qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, on assiste ces personnes. On les forme d'abord, parce qu'il faut former la mentalité. Parce que vous savez, si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui n'a pas, et vous lui dites, écoute, va faire telle chose,
Bon, écoute, la personne va aller au quartier, va se prendre une bière, va s'acheter une chaussure avant de commencer. Alors, nous les formons au développement, au principe de gestion. Et après, on prête des choses simples. Hein. À peine 150 euros, c'est-à-dire 100 000 francs, 120 000 francs, on leur donne comme cela. Et puis, ces personnes commencent et puis après, elles remboursent. Ah oui, elles remboursent. Elles remboursent parce que si elles ne remboursent pas, elles ne tiendront pas parce qu'elles vont gaspiller, voilà, donc elles remboursent. Et pour qu'on puisse donner à quelqu'un d'autre, très important. Alors, quand vous assistez à une personne, ne faites pas de la personne éternelle assistée. Et ça, c'est la grâce du développement de la communauté. Nous, on dit non. On dit que ce n'est pas ce social-là qui fait qu'à chaque fois, la personne va venir vers vous pour dire « Ah, j'ai encore, mon riz est fini ». Mais nous allons aider la personne. C'est bon, je te donne à manger, il n'y a pas de problème. Mais on va t'apprendre à travailler. Très important, parce que Dieu n'a jamais choisi des gens qui étaient là, des paresseux. Non. Dieu touche des personnes. Elles peuvent ne rien avoir aujourd'hui, mais ont quand même une vision, des projets pour elles-mêmes. Alléluia. C'est très important, mon frère, ma soeur, que l'évangile, et là je m'adresse maintenant aux pays africains, aux pays de l'Amérique du Sud surtout, et aussi une bonne partie de l'Asie. Ces pays qui souffrent de pauvreté, de misère. La première des choses que l'Esprit Saint fait, quand l'Esprit Saint vient, il t'équilibre. Voilà. Vous voyez, quand on voit certaines personnes un peu illuminées, je dis, bon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit équilibre l'homme. Et quand le Saint-Esprit vient, tu deviens, parce qu'on oublie souvent que l'homme, il y a la vocation humaine. Et les situations où même les esprits peuvent attaquer et réduire l'homme à un animal. Il agit comme un animal, mais il reste toujours image et ressemblant de Dieu. Quand Jésus vient, il te redonne ta vocation humaine noble. Il y a une vocation humaine, et dans cette vocation humaine, le vivre ensemble, c'est une vocation humaine. On n'a pas besoin d'être religieux, on n'a pas besoin d'être spirituel pour voir que la vie, pour une question d'harmonie, il faut vivre avec les autres. On n'a pas besoin de ça dans toutes les cultures. On enseigne ça, que ce soit les cultures africaines. On enseigne le fait que de ne pas lever la voix sur une grande personne, de se respecter. Ça, c'est une vocation humaine. Jésus nous donne cet équilibre puisque lui-même, il s'appelle le Fils de l'homme. Voilà. Et il dit que si vous ne comprenez pas les choses d'ici-bas, ben comment vous pouvez comprendre les choses d'ici, de là-haut? Voilà. Donc, il commence par ça et le Saint-Esprit nous rééquilibre. Alors quand les chrétiens disent, j'étais là, je buvais, je bois plus, je m'en fais, écoute-moi, et la morale peut te donner, maintenant le Saint-Esprit peut te soutenir, voilà. Il vient au secours de ta faiblesse. Alors il dit, non, j'étais bandit, je droguais, la morale humaine, le conseil ou une décision humaine peut t'amener à ne plus prendre la drogue, mais c'est le Saint-Esprit qui va te soutenir, qui vient à ton secours à chaque fois que tu as envie d'aller prendre la drogue. Voilà. Donc l'Esprit Saint ne fait pas tout, excusez-moi de le dire, mais c'est vrai, il vient à nos secours. Donc qu'est-ce que Jésus fait? Il te relève. Il te relève comme cet homme possédé dans ce cimetière. Jésus l'a relevé, il s'est assis auprès de Jésus. Il n'était plus un animal, il n'agissait plus comme un animal. Et il est devenu un disciple et puis apôtre. C'est intéressant, c'est vraiment puissant, c'est ce que Jésus fait aujourd'hui encore. Donc, il t'équilibre, ensuite il t'utilise. Et quand Jésus nous touche, il touche notre vie, mais il touche aussi notre environnement. Ce qui a porté le développement en Europe, écoutez-moi, vous qui êtes en Asie, vous qui êtes en Amérique du Sud, en Afrique, ce sont les moines, c'est la foi chrétienne. C'est l'évangile qui a porté le développement. Vous savez, le moine, c'est pas quelqu'un, on s'imagine quelqu'un qui prie 24 heures sur 24, hop, toute sa vie est prière, parce que la prière est incessante. Mais comme le dit la règle de Saint-Benoît, il prie 8 heures,
Il se repose 8 heures, il travaille pendant 8 heures. Voilà, donc c'est le travail. Dieu a établi l'homme dans le jardin, il dit « Prends soin de toutes ces choses que j'ai créées. » Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu prit l'homme et il établit. Donc Dieu établit. Et quand tu as une situation dans un environnement difficile, le Saint-Esprit te communique une vision. Et j'ai eu la grâce d'aller aussi, là je parlais de Padre Pio, mais d'aller en Asie ou en Corée du Sud. Et donc, en Corée du Sud, donc, j'étais logé chez l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près de la République de Corée du Sud, et qui m'a conduit chez un homme de Dieu qui s'appelle Nyong'i Cho. J'avais lu ses livres, c'était vraiment une assemblée de Dieu, mais un homme vraiment très... très intéressant et qui prêche l'évangile, voilà. Mais j'étais émerveillé de voir que cet homme charismatique avait construit presque une ville et qu'il a donné, il a construit des universités, des hôpitaux qu'il a donné au gouvernement coréen. Quand un président est élu, il va faire allégeance à cet homme de Dieu. Voici ce que j'appelle évangile et développement. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu dis que tu es rempli d'onction et tu ne te soucies pas des jeunes gens qui traînent, qui ont des diplômes dans ton pays, sur ton continent, et Dieu ne te donne pas une stratégie pour ça. Alors, rejoins-nous dans cet appel, si tu es africain, nous avons lancé Africa for God, l'Afrique pour Dieu. Parce que nous croyons que quand Dieu vient, Dieu développe l'homme dans toutes ses dimensions. Quand Dieu vient, il change la vie de l'homme, mais il change aussi la condition de vie de l'homme, les conditions de vie de l'homme. Alors, dans ce mois de septembre, dis, si tu as quelqu'un à côté de toi, dis, ah, le mois de septembre sera un mois de vérité. Allez, je te laisse dire à cette personne. Le mois de septembre sera un mois de vérité où nous allons comprendre l'évangile tel que Jésus l'a voulu. Pas des chrétiens qui prient seulement. Pas des chrétiens qui développent seulement. Mais évangile. Nous recevons notre force par la parole de Dieu et soutenue par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons agir dans la vallée. Il a dit à Pierre, c'est vrai, Pierre était très content. Le mont Tabor, c'était bien. Il y avait le vent, il y avait tout. Hein. Sûrement, c'était une saison sèche. Et il était tellement bien là-bas. Il dit, bon, et dressons trois tentes, voilà, une pour toi, une pour Élie, pour Moïse, et puis voilà, et nous, on va se débrouiller. Jésus dit, Pierre, descends. Amen. La vallée, c'est le champ du Seigneur. La vallée, c'est le monde. Tu ne veux pas rester toute ta vie en l'air. Même Moïse a fait que 40 jours et 40 nuits sur la montagne, mais il est descendu. Et d'ailleurs, parce qu'il a un peu duré qu'il y a eu le veau d'or. Voilà. Donc, le monde est en train d'adorer le veau d'or. Il te faut descendre de la montagne aussi. Et après, repartir encore pour prier ton Dieu. Nous allons prier. C'était une introduction. Notre Père qui est dans les cieux, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton oint Jésus, pour tous ceux qui nous suivent et qui vivent des situations économiques. Et malheureusement, qui reçoivent aussi des enseignements qui les maintiennent dans cette situation économique. Nous disons au Père que l'or et l'argent t'appartiennent. Regarde toutes ces nations qui souffrent, tous ces chrétiens qui souffrent. Oh Dieu, ta main puissante, que ta main puissante les touche. Toi qui fais descendre, lever ton soleil sur le juste comme sur le méchant, qui fais descendre ta pluie sur le juste comme sur le méchant. Père, ne tiens pas compte de ce que nous sommes. Regarde tous ces continents qui souffrent, où les enfants meurent. Jésus de Nazareth, tu es la solution du Père pour notre humanité. Agis avec puissance. Et je pense à celui qui est en train de nous suivre, qui est très endetté aujourd'hui et qui est même poursuivi. Je prie pour que Dieu, à cet instant, vienne à ton secours et que par la puissance de son Saint-Esprit, tu trouves les moyens de rembourser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. À samedi. Ciao, ciao. Amen.